Coach, quelles sont vos premières analyses après ce match si serré? Qu'on est qualifié, voilà, même si à travers ce match on cherchait la première place, on a fait ce qu'il fallait en ayant beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. L'homme du match est le gardien polonais, donc ça veut tout dire. Mais il n'y a pas à avoir de regrets, on était dans un groupe très dense, très solide. D'ailleurs, la première place, c'est l'Autriche qui l'a obtenue en ayant perdu contre nous le premier match. Donc on est qualifié en huitième, il faut apprécier. Et puis on sait aujourd'hui quand on jouera, le 1er juillet, pas encore l'adversaire. Bien récupéré, et puis une deuxième compétition va commencer à partir de ces huitièmes. Vous avez dû faire face à une équipe polonaise bien soudée. À quel point êtes-vous bluffé, impressionné par leurs prestations? Ils sont à l'image de ce qu'ils ont fait sur les deux premiers matchs, même s'ils les ont perdus, ils auraient pu le perdre aujourd'hui. Voilà, on a concédé ce penalty, ils ont concédé pas mal d'occasions. Le gardien chez eux a été très bon, mais c'est une... C'est une très bonne équipe. On était, je le répète, notre groupe avec quatre équipes d'un très bon niveau. Et à la fin de cette phase de groupe, quelles leçons avez-vous tirées et qu'est-ce que vous allez chercher à maîtriser par la suite? On est qualifié pour le huitième, comme d'autres équipes. Et puis forcément, il y a de grosses équipes. S'ils se sont qualifiés, c'est qu'ils ont été meilleurs que les autres. Donc voilà, ça fait partie de la première partie. On va profiter puisqu'on a une pause famille qui fera du bien à tout le monde. Et puis on va préparer ce huitième de finale. Merci beaucoup, merci. Bradley, quelles sont vos premières analyses après ce match si serré? Je suis un peu beaucoup déçu. C'est vrai qu'on aurait pu gagner ce match. On contrôlait jusqu'au moment du penalty. Donc c'est dommage, on aurait dû marquer ce deuxième but pour gagner. Et voilà, on est un peu déçu, mais on est qualifié au moins. Mais vous avez dû faire face à une équipe polonaise bien soudée. À quel point êtes-vous bluffé, impressionné par leurs prestations? Franchement, ils ont fait un très bon match, ils ont été solides défensivement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup joué tous ensemble. Ça nous a posé pas mal de problèmes, mais c'est dommage. Ouais. Et à la fin de cette phase de groupe, quelles leçons avez-vous tirées et qu'est-ce que vous allez chercher à maîtriser par la suite? Je pense qu'on va chercher à plus maîtriser les matchs, à marquer ce deuxième but-là qui nous a fait du tort aujourd'hui. Et puis voilà, on va essayer de gagner tous les matchs. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.